بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et bienvenue dans cette 21e vidéo du challenge hashtag 40 jours hors zone. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous un sujet qui est des plus importants. Un sujet qui en va de notre survie, fil akhira, dans l'au-delà. En effet, il nous est rapporté qu'au jour du jugement dernier, la première chose sur laquelle nous serons interrogés sera notre salat. Et un des éléments les plus importants de notre salat, c'est la concentration, le khushu', l'humilité durant notre salat. Nous allons donc aborder au cours de cette vidéo 7 points qui nous permettront bi'iznillah d'acquérir la concentration dans la salat par le biais de la mémorisation du Coran. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet qu'à moi, mais est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez accompli votre salat? Je m'en souviens comme si c'était hier. Il s'agissait du premier jour de Ramadan de l'année 2001. J'avais alors 15 ans. Et je m'en souviens parce que ce jour-là, ma concentration n'a jamais été la même. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose de nouveau pour moi. C'était quelque chose que j'étais en train d'apprendre. C'était quelque chose qu'il fallait que je prenne soin, et donc j'étais très vigilant quant aux différents mouvements que je faisais et quant aux différentes paroles que je prononçais au cours de ma salat, dont la récitation du Coran. Le truc, c'est que parfois, en tant qu'être humain, on rentre dans la monotonie et la redondance, et c'est pour ça qu'il nous faut un renouvellement. Et c'est dans ce sens que la mémorisation du Coran nous permet d'apporter un tajdid, un renouvellement dans notre salat. La première des choses, et ce de manière très simple, c'est que la mémorisation du Coran nous permettra de briser la monotonie de notre salat. Et je dis bien de notre salat, pas de la salat, car la salat n'est pas quelque chose de monotone. C'est notre salat, c'est notre rapport à la salat qui rend celle-ci monotone. Et le fait d'être dans un processus de mémorisation du Coran avec un programme bien établi, cela nous permet tout simplement de pouvoir varier entre les différentes surates et entre les différents passages du Coran dans le cadre de notre prière, et de ne pas rester sur des surates que nous récitons parfois de manière trop rapide et de manière trop expéditive, au point où on ne se rend même plus compte que l'on a récité telle surate ou telle surate. Deuxième des points, comme indiqué dans le guide des itinérants du Coran par le biais de la MVAK, la méthode visuelle, auditive, kinesthésique, il s'agira de réviser en prière, et de réviser en prière même le jadid, même ce que nous avons nouvellement acquis, et surtout ce que nous avons nouvellement acquis. Car en effet, le fait de réviser le jadid en prière nous permettra d'être beaucoup plus concentré sur la formulation des ayats et sur la formulation au niveau du tajwid, mais également au niveau de la mémorisation du Coran. En effet, il faut que l'on utilise les prières que nous avons dans le jour et dans la nuit afin d'y réviser le Coran. Cela nous permettra effectivement de gagner du temps par rapport à notre programme de révision, mais cela nous permettra également d'être beaucoup plus concentrés dans notre salat, car nous serons beaucoup plus scrupuleux sur ce que nous y réciterons. Troisième des points, apprendre les invocations du Coran, comme les Rabbana, et les réciter en sujoud. En effet, vous savez tous que le fait de réciter des invocations dans les sujoud, ce sont des invocations qui sont exaucées. Et la meilleure des inspirations que nous pouvons avoir pour pouvoir invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'utiliser les invocations qui sont dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les Rabbana. Quatrième des points, le fait de mémoriser le Coran nous fera passer par certains passages du Coran que l'on appelle as-sujud tilawa, les prosternations de récitation. Les prosternations de récitation, ce sont ces petites portes que vous voyez dans certains passages du Coran à la fin d'un verset, vous indiquant qu'à ce moment-là, Allah Azzawajal nous appelle à nous prosterner, et surtout que le prophète alayhi salatu wasalam a effectué des prosternations au milieu de la salat une fois qu'il est arrivé à ce verset-là. Pour plus d'informations concernant les sujets de Tilawa, vous trouverez un article complet sur le sujet dans la description de cette vidéo également. Cinquième des choses, il s'agit là d'une recommandation quant à la récitation du Coran dans la salat. Il s'agit de le lire de manière calme et de manière sereine pour ramener à la méditation. Effectivement, le fait que l'on prenne son temps dans la récitation dans la salat nous permettra de méditer les versets, de méditer les messages qu'Allah Azzawajal nous a mis dans le Coran. Et de ce fait, cela nous apportera davantage de concentration dans notre prière en étant dans une réflexion, dans une méditation du Coran. Sixième des choses, le fait d'être dans un processus de mémorisation du Coran nous permettra tout simplement d'être plus concentré dans le cadre des salat en jama'a, dans le cadre de l'accomplissement des prières en commun. Effectivement, lorsque vous avez un imam qui est devant vous et qu'il choisit, qu'il sélectionne
une partie du Coran pour le réciter en prière, on se retrouve parfois perturbé lorsque ce sont tout simplement des passages que l'on ignore. Et le fait de rentrer dans la mémorisation du Coran, d'avoir un programme de mémorisation du Coran, et puis iznillah de finaliser la mémorisation du Coran, nous permettra tout simplement de suivre la récitation de l'imam, d'être même en train de réviser alors que l'imam est en train de réciter. Et de ce fait, nous ne perdrons pas le fil de la récitation, nous ne perdrons pas la concentration de notre prière, car nous connaissons le passage qui est en train d'être récité. Septième des points, et pas des moindres. L'itinérant du Coran doit avoir une boîte à outils. Ce que j'appelle une boîte à outils. La boîte à outils de l'itinérant du Coran est notamment composée du Qiyamul Layl, de l'accomplissement des prières de la nuit. Alors effectivement, l'accomplissement des prières de la nuit s'effectue d'à partir d'après la prière de l'Isha jusqu'à la prière du Subh, mais avec un petit plus concernant les salats effectués, les invocations effectuées au dernier tiers de la nuit. Et le fait de pratiquer le Qiyamul Layl, les prières de la nuit, nous poussera à varier également dans la récitation des différentes sourates que nous connaissons, afin justement d'avoir cet éventail qui nous permette de nous concentrer et également de profiter du Qiyamul Layl afin de réviser le Qur'an en prière. Vous trouverez d'ailleurs un article en sujet dans la description de la vidéo également. Alors voilà ce qu'il en est concernant les 7 points qui nous permettront d'acquérir bi'iznillah la concentration et l'humilité nécessaires dans notre prière, par le biais de la mémorisation du Coran et par le biais de la récitation du Coran fortiori. Si vous également vous avez d'autres conseils à donner dans ce sens afin que nous puissions acquérir la concentration dans la prière, barakallahu fikoum, de le partager avec nous en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la également autour de vous. Qu'Allah azza wa jalla fasse du Coran le printemps de nos cœurs.